première journée dans cette compétition qui rassemble les meilleures sélections européennes. Rendez-vous incontournable. Salut à toutes et à tous, nous sommes à la Düsseldorf Arena dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnu, c'est Omar et Benji. Première rencontre de groupe dans cette Euro 2024. Vous allez voir, on ne va pas s'ennuyer, on va passer un bon moment. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Et voici donc le 11 qui va démarrer. C'est du classique, ce 4-4-2 à plat. Le principal avantage, c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces. Les titulaires côté français, les voilà. Benjamin Pavard avec Lucas Hernandez en défense centrale. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et enfin donc, en attaque, Olivier Giroud. Ça sort des limites, c'est une touche. Le pressing sur Alaba. Schlager. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian Mbappé. Sa caractéristique, on la connaît. C'est sa lucidité, sa précision, son aptitude à être dans le bon endroit avec le geste juste. Ses qualités de finition te donnent une grande sérénité quand tu rentres dans la surface. Arnautovic. Ouais, une bonne charge. Il y a du soutien là pour attaquer. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Ballon pour Lucas Hernandez, avec de la puissance malheureusement de peu à côté. Marco Arnautovic. Sabitzer reçoit le ballon. Elle a frappé contrée. Une bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Tir contré, c'est bien défendu. Schlager reçoit la balle. Le ballon vers Danso. Ballon pour Schlager. Oh, c'est bien défendu. Giroud. Oui, le bon geste défensif. Et ça joue avec Leimer. Faute et pénalty. L'arbitre désigne le point de pénalty. C'est peut-être là le tournant du match. Carton jaune mérité sur ce coup. Et le pénalty est transformé de la course à la frappe, tout est réussi. C'est une science de pénalty, par deux, trois soleils. Rester mobile et osé, c'est pas toujours efficace.
Allez, c'est reparti ici. Donc les Bleus doivent absolument revenir. Théo Hernandez. C'est pour Tchouaméni. Ah, il élimine son adversaire. Tchouaméni en bonne position. Et oui, le but. Le match est complètement fou avec cette égalisation. Quelques secondes à peine après avoir encaissé un but. On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Sur la conclusion, le petit côté est bien trouvé. Mais on peut quand même se demander si le gardien a eu la bonne lecture. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Giroud avec Kylian Mbappé. Et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse. Ça passe donc largement à côté. L'appui, la direction, il n'y a rien qui va dans cette frappe. Maximilian Weber. Bien sûr qu'il y a faute, c'est donc un coup franc. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. À la main. Seyval reçoit le ballon. Ouais, la récupération de Rabiot. Théo Hernandez. Griezmann. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Oh, David Alaba, la situation critique. Konrad Leimer. La passe pour Seyvald. Ah, il s'est bien défendu, le ballon est récupéré. Peut-être une occasion à venir là-dessus. Et attention à cette frappe. Sans problème, dans les bras du gardien. Griezmann. La sacrée intervention, le ballon est perdu. Oh, Griezmann qui cherche cette passe. Et voilà le but. On le revoit ce but, mais quand en plus de la puissance de la frappe, vous arrivez à ajouter la précision et la justesse, c'est une action absolument incroyable. Voilà, c'est reparti dans ce match et le score maintenant est de 2 buts à 1. Saveur. Sabitzer. Sabitzer reçoit le ballon. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Allez, contre-attaque là, peut-être, on va voir. Allez, c'était assez prometteur, mais la contre-attaque ne va pas au bout. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Oh là là, et cette frappe est complètement dévissée. Elle passe très très loin des poteaux. Loin des poteaux de but, ça c'est clair. En revanche, pour les poteaux de corner, pour le coup, on y est. Benjamin Pavard. Théo Hernandez. Ballon pour Kylian Mbappé.
L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Ce ballon vers Sabitzer. Oh, la frappe au but. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. Un ballon bien rempli par Leimer. De l'arbitre, coup franc. Il y a du monde évidemment dans la surface sur ce coup franc, attention. Oui, c'est bien fait, c'est bien défendu. Ouais, facile, ça passe. Et on lève la tête, là, peut-être un centre. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. Saveur. C'est pour Konrad Leimer. Voilà la patience, la construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. Nicolas Seyvald. Attention la frappe. Oui, bon plongeon là-dessus. Un corner bien joué, bien frappé. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Alors, j'ai pas envie de vous porter la poisse, mais pour l'instant, sa performance, elle est très convaincante. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. Et c'est parti le coup d'envoi de la deuxième mi-temps donnée par les Français. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ah non, il est en position de hors-jeu. Et ça joue avec Leimer. Seyvald. Excellent timing sur cette interception. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Le ballon pour Kylian Mbappé. La défense peine à se replier là sur le contre. C'est pas très bien défendu. Et donc il y a un coup franc pour l'adversaire. Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute, c'est mérité. Très bonne décision. Absolument.
Weber. Un petit rappel là de ce qui nous attend prochainement, ce match très intéressant à venir. On va voir du bon football, c'est excitant, je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Bon ballon en retrait, c'est un ballon récupéré sans aucun problème. Giroud. La projection dans le camp de l'adversaire. Pour Rabiot. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon, pour aller fixer dans l'axe sans aucun effort pour le gardien. Mbappé dans le couloir, il peut avancer. Attention, Kylian Mbappé. Eh oui, le bon réflexe. Ballon pour Kylian Mbappé. Mbappé la frappe. Ah, et le danger bien repoussé par le gardien. Corner, et ça fait donc une nouvelle opportunité d'aggraver un peu plus le score. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ah, le gardien fait ce qu'il faut. Le ballon pour Kylian Mbappé. Mbappé la frappe. Ah, le gardien repousse. Attention, ce ballon qui traîne. Et finalement, ça ne donne rien. Une bonne interception de Giroud. Eh oui, c'est réussi. Il est passé. Reimer. Et voilà ce match à vivre bientôt ensemble. Et on a hâte de vous faire vivre tout ça. J'ai hâte de voir ça. Une rencontre très intéressante à suivre. Olivier Giroud. Attention, grosse occasion. Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certainement pas démarqué vu la trajectoire de cette frappe. Conrad Laimer. Laimer qui se faufile et porte le danger. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Les Bleus qui ont pris possession du ballon depuis quelques minutes, ce qui montre l'ambition et la volonté d'aller marquer ce but qui creuserait l'écart. Le ballon est rendu. Konrad Laimer. On le passe par le côté. Et ça joue avec Laimer. Frappe puissante, mais ça passe loin du but. La spontanéité, c'est bien, mais il faut aussi de l'efficacité.
les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. La possession leur échappe. Giroud. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Long ballon aérien, la défense se soulage. Ballon pour Antoine Griezmann. Mbappé la frappe. Bonne intervention du gardien. Allez, changement donc. Allez, bien frappé ce corner. Mal tiré ce corner, facile à capter. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Antoine Griezmann en approche. Kylian Mbappé. Allez contrer cette frappe. Ce ballon est intercepté. Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. Dembélé. Ousmane Dembélé sur le côté, il a de l'espace. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Tchouaméni. Bon bassin sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est sanction. Parfois, je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fous. Moi, je vois ça, je deviens fou. Tu as un ballon en défense et pour une raison mystérieuse, tu le rends. Et derrière, bien sûr, tu te fais punir. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Sabitzer. Et ça joue vers Jules Koundé. Ousmane Dembélé. Giroud. Devant le but, il faut frapper. Belle tentative, mais sans réussite. Kevin Danso. Ouais, c'est bien fait, ça, sans faute. Oh, c'est un bon ballon, ça. Ouais, bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Et c'est finalement dégagé. Le ballon pour Koundé. Et oui, avec Mbappé. Frappe puissante juste à côté. Conrad Laimer. C'est Ivald. C'est pour Baumgartner. Arnautovic. Bon ballon en retrait. Ah, la puissance était là, mais c'est tout. Il n'y a pas du tout la précision. Ça partait comme Cristiano, mais ça finit comme Papadopoulos. Griezmann, Marcus Thuram, ouais, la vista avec cette passe. Ah non, il est en position de hors-jeu.
Voilà, le ballon est récupéré. Griezmann. Il y aura 5 minutes de temps additionnel. Mbappé, la frappe. Et jolie frappe, mais ce n'est pas cadré. Et le ballon sort en touche suite à cette intervention. Konrad Leimer. Et ça joue avec Leimer. Schlager reçoit la balle. Et c'est capté sans aucun souci par Mike Maignan. Benjamin Pavard. Ça va sur Théo Hernandez. Griezmann. Théo Hernandez. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Et ça joue sur Marcus Thuram. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Et voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France. C'est une victoire assez nette avec ces deux buts d'écart. Le genre de victoire qui fait du bien à tout le monde.